Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Asseyez-vous, parce que j'ai vu tout à l'heure une petite vidéo de celle-là. Voilà. À mon vigile. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, non, il faut que je réponde à celle-là. Parce que, au fait, quand les gens mentent comme ça, ils n'ont même pas idée des gens qui les écoutent. Bon, moi, comme je n'écoute jamais ce genre de conneries, donc elles sont très à l'aise parce qu'elles se disent, Bob Lee ne nous écoute pas. Le problème, c'est qu'elles oublient, c'est que de temps en temps, on coupe les parties intéressantes et puis on m'envoie. Et donc, je me contente des parties intéressantes là pour faire mes vidéos sur ces personnes. Tellement de mensonges dans ces vidéos que... Bon. On m'a annoncé l'arrivée de Peter. Je savais qu'il devait arriver, mais avant même qu'il arrive, je n'étais pas pour. Vous comprenez? Je n'étais pas pour. Mais c'est la télé. C'est la télé. La télé, c'est comme ça. On dit tes émotions, tu les mets de côté. Mets tes émotions de côté.
on est à la télé. Et la télé, c'est une autre. D'abord, c'est faux ce que tu dis. Parce que toi-même, toi-même, avant que tu n'arrives en Côte d'Ivoire, avant que tu n'arrives à Abidjan, tout était déjà calé. Et tu as pris photo avec tous ceux qui étaient en France avec qui tu devais faire tes émissions. Tu as pris photo avec Peter. Tu as pris photo avec Peter. Et je ne sais pas si je peux retrouver la photo, mais la photo était là. Elle était là sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc, je vais aller sur Google pour voir si je peux trouver la photo. Si par la grâce de Dieu, je peux la trouver. En tout cas, j'ai vu une photo qui avait été publiée. Je ne sais pas si c'est par Peter ou bien juste après son arrestation. Je ne sais pas si c'est avant son arrestation ou après son arrestation. Où toi, à mon chic, à mon vigile, pardon, tu étais avec Peter. Tu avais aussi une photo aussi avec Yaka Yaka. Les gens avec qui tu devais faire ton émission, tu les avais rencontrés. Vous saviez que vous aviez émission. Et même après Peter, c'était le tour de ma part. Donc tout était bouclé. Normalement, après Peter, c'est ma part qui devait venir. Quoi, je ne savais pas. Tu sais, il faut arrêter de mentir. Parce que tu es l'animatrice de l'émission. Et contrairement à ce que tu crois, je m'y connais un peu. Si les autres ne s'y connaissent pas, je m'y connais un peu. Quand on te propose les émissions, tu es libre de refuser l'émission quand tu ne te sens pas avec l'émission. Les émissions se discutent et les émissions se préparent. Donc, quand tu dis que tu ne voulais pas de cette émission, tu ne voulais pas de cette émission avec Peter, c'est un mensonge. Parce que Peter ne peut pas quitter. Vous avez payé son billet d'avion, payé son hôtel. Mais d'abord, le sujet même, d'abord, c'est vous qui choisissez le sujet. C'est vous qui choisissez le sujet. C'est pas l'invité qui choisit le sujet. Donc, c'est vous qui avez choisi le sujet. Et toi, tu travailles avec ton équipe, mais c'est toi l'animatrice. Donc, il faut que toi, tu aies une ligne. Et en plus, tu as oreillette. Les gens te parlent. On te donne des informations. On te dit des certaines choses. Donc, tu ne vas pas dire que non, que tu ne savais pas. Tu ne vas pas dire que non, tu ne voulais pas. Si toi, quelqu'un veut passer à ton émission, puis tu dis non, la personne ne passera pas. Parce que c'est toi qui anime. On ne peut pas t'obliger à causer avec sur ton truc avec quelqu'un pour te mettre mal à l'aise. Parce que tout est créé pour te mettre bien à l'aise. C'est pourquoi d'ailleurs on te permet de boire du champagne sur comment déjà, à télévision. Maintenant, ils ont enlevé le verre de champagne. Maintenant, c'est remplacé par une tasse. Comme si tu étais en train de boire du thé. Alors que c'est du champagne qui est dedans parce que tu es alcoolique. Rien ne peut être imposé sur ton plateau. C'est ton plateau à toi. Tu le gères à ta guise. Et généralement, c'est toi qui proposes. Son pas, ce n'est pas Sawagnan qui te propose. C'est toi qui proposes. Ah non, il y a telle personne, je voulais faire émission à la personne. Et c'est toi-même qui contactes les gens. Toi et ton équipe. D'ailleurs, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Que toi, tu passais ton temps à défendre la fille. Mais c'est faux. Tu étais d'accord que Peter vienne dénigrer la fille et toi maintenant tu faisais semblant parce que tu connais la force des Ekalands. Tu sais qu'elles sont nombreuses et elles peuvent te détruire
pas détruire carrément, mais elles peuvent réduire considérablement ton audience. Et tu le sais. Donc, tu ne pouvais pas te mettre ces filles-là sur le dos. C'est pourquoi tu as joué ton cinéma. C'est pourquoi tu as fait ton cinéma, là. Parce que tu ne voulais pas rentrer dans un clash direct avec elles. Parce que tu savais ce qui venait. Parce que vous en aviez parlé. Parce que tu étais contente. Je vais te dire pourquoi, d'ailleurs. Lorsque tu animes la preuve, par exemple, avec Eunice Zounon, quand elle a refusé de parler de sa vie privée, tu dis, ah donc, ça sera pas intéressant. Donc, tu veux que les gens parlent de leur vie privée pour que ça soit intéressant pour toi. Pour que ça crépite pour toi. Si Crépiteur venait et qu'il ne parlait pas de sa vie privée avec Emma Louise, toi, tu es sûr que tu allais continuer l'émission? Tu allais dire, ah non, ça ne sera pas intéressant. Il faut que tu en parles. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Est-ce que tu en as discuté avec la régie? Tu allais dire cela. Alors arrête de mentir pour faire comme si tu ne savais pas. Tu savais très bien. Et quand ça ne se passe pas comme ça, quand on ne dénigre pas, tu n'es pas contente, ton émission ne marche pas. Là, d'ailleurs, tu as dit dans ton truc que toi, tu ne peux pas permettre que dans ton émission qu'on vienne dénigrer les femmes. Attends, c'est une émission féministe? Tu n'avais pas dit ça, tu n'as jamais dit ça. Mais apparemment, bizarrement, une émission qui se veut défenseur des femmes, et à cette émission, on ne parle que de l'intimité des femmes. Et toi-même, sur ta page, laissons même Allo Caviar, laissons même Live TV, depuis que tu fais blog, pour que tu dis que tu fais blog depuis 2018, mais depuis que tu fais blog, pour que tu sois aussi populaire, vous n'avez que parlé de l'intimité de la femme, rabaisser la femme. Dénuder la femme, rendre la femme en danger, c'est-à-dire que simplifier la femme. Quand tu parles de Mougouli, comment il faut baiser la femme, comment il faut, tu parles du clitoris de la femme, comment il faut manipuler, tu chosifies la femme. Et c'est donc toi, tu crois que tu mets la femme en valeur en parlant de ce genre de choses-là. Il n'y a fait que des dévergondés qui viennent sur ta page pour suivre ce genre de choses. Aucune personne, aucune femme sensée, intelligente, qui se respecte, qui respecte son corps, qui sait ce que c'est que la femme, ne pourra jamais t'encourager de ta bêtise, ne serait-ce que même mettre un like sur l'une de tes vidéos. Jamais elle ne pourra le faire. Parce que ton blog tourne autour du rabaissement de la femme. Dis-moi à quel moment tu as une fois élevé la femme dans ton blogging. À quel moment? À quel moment? Tu as tellement rabaissé la femme que tu allais toi-même te rabaisser en versant du champagne pour qu'un autre homme verse du champagne sur toi qui dégoulinait sur toi, comme la pétasse que tu es. Et pourtant, tu dis que tu es marié. Ça, c'est rabaisser le foyer d'une femme. Ça, c'est rabaisser une femme. Apparemment, tu ne sais même pas comment est-ce qu'on peut donner de la valeur à la femme. Et tu es troublé parce qu'au fait de ta vie, j'ai l'impression que on ne t'a jamais traité avec valeur. Donc, tu ne sais même pas comment est-ce qu'on donne de la valeur à une femme. Et c'est ce qui t'emmerde au fait. Je comprends maintenant. C'est ce qui t'emmerde. Tu crois que tout ce que tu fais là valorise la femme, alors que ça rabaisse la femme. Au fait, tu es ignorante. Tu ne sais même pas comment il faut valoriser une femme. Et donc, tu penses que tout ce que tu fais valorise la femme. Et pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Ce que tu fais ne valorise pas la femme. Ce que tu fais diminue la femme, rabaisse la femme, chosifie la femme. Je vais te prendre un exemple. Un sujet qui a fait vraiment le buzz sur la toile, l'un de tes sujets, où tu avais demandé à une femme de prendre la grossesse qu'elle porte, qui appartient à un taximètre. Parce que le taximètre, pour toi, c'est un sous-homme, et de donner cette grossesse à un médecin qui pourra la faire partir à chose, comment déjà, au Canada. Quelle est la valeur que tu donnes à la femme? Prenons seulement ce tableau-là. Je peux te citer pêle-mêle, hein? Plein de choses comme ça. Sur quelle est la valeur que tu donnes à la femme? Est-ce que tu n'es pas en train de chosifier la femme? Tu n'es pas juste en train de rendre la femme juste un simple objet de plaisir? Quelle est la valeur? C'est-à-dire que elle va abandonner l'homme qu'elle aime, qu'il aime le taximètre, pour aller juste être un objet sexuel avec un autre homme parce que ce gars a les moyens de l'envoyer au Canada. Tout en punissant un enfant, un innocent qui va naître. C'est-à-dire que donnant la paternité de cet enfant à quelqu'un qui n'est pas le père,
Et forcément, un enfant, quand il naît, tôt ou tard, il découvrira qui est son vrai père. Et il va en souffrir toute sa vie. Mais tu t'en fous de cette douleur. Tu t'en fous de ce que subira cet enfant moralement plus tard. Et tu t'en fous de comment ça va transformer toute l'existence de cet enfant. Tu t'en fous. Ce qui compte, c'est le bonheur éphémère que toi, tu auras eu de dire, déchirez-vous, entretuez-vous. Ça, c'est le plaisir, ça, que tu as. Et tu parles. Moi, je vais te dire, une femme, même si elle n'a rien, même si elle n'est pas au Canada, lorsqu'un homme l'aime réellement, il est capable de lui donner, quand il travaille et qu'il a 500 francs et qu'il prend 200 francs ou 300 francs, et puis il donne 200 francs ou 300 francs à la femme, ça, il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça. Lorsqu'un homme va travailler et puis va à une chose comment déjà, à un kiosque et qu'il achète du rognon, 500 francs, et qu'il ne mange pas ça alors qu'il n'a pas mangé depuis midi, et qu'il attrape son rognon, il ne mange pas jusqu'à ce qu'il arrive à la maison, et puis il attend que sa dulcinée vienne pour que les deux mangent le petit plat de 500 francs. Tu ne peux pas comprendre cette preuve d'amour-là. Non, tu es très loin de là. Ça, rien, aucun million sur terre, aucun diamant sur terre, aucun or sur terre ne peut remplacer ce geste d'amour-là. Ça, là, tu connais pas ça. Tu ne peux pas comprendre qu'un mec peut acheter du garba pour le tout, en tout et pour tout, poisson, garba, tout ça, là, mélanger 200 francs et qu'il mette ça en poche avec l'huile dégoulinant de sa poche et puis garde ça jusqu'à parce qu'il sait que c'est tout ce qu'il a, mais il doit garder ça pour aller manger avec sa copine ou sa femme à la maison. Cet amour, cette preuve d'amour-là, tu ne connais pas. Et la fille sait très bien que si jamais, avec ce qu'elle a, le corps qu'elle a, avec le sexe qu'elle a, elle sait très bien que si elle se met sur la voie-là, elle peut faire rentrer au moins 100 000 francs. Mais elle préfère ce gars-là comme ça parce qu'il n'y a pas plus intéressant. Tu vois, quand tu vas dans les villages, ce n'est pas parce que les filles qui sont à Abidjan sont plus jolies que les filles du village. Non, 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 non. Non, non, non. Les filles du village, elles sont au village par amour. Parce qu'elles aiment la nature. Parce qu'elles ont trouvé leur amour sur place. Parce qu'elles aiment le travail champêtre. C'est pas parce qu'elles sont idiotes. Souvent, elles sont diplômées et puis elles sont là-bas. Moi, j'ai connu des grandes sœurs qui sont devenues institutrices après avoir fait 5 ans, 10 ans au village. Finalement, elles ont décidé d'aller passer le concours de CAFOP et puis elles sont devenues institutrices. Donc, elles pouvaient devenir institutrices, mais par amour du village. Par amour de leurs parents, la mère vieillissante. À cause d'elle, elle allait s'asseoir au village. Le père vieillissant, à cause de lui, elle allait s'asseoir au village. Ses petits frères qui n'ont pas d'aide et il n'y a pas d'encadrement, à cause d'eux, elle allait au village. Elle a attendu que ceux-là grandissent. Elle a attendu que la mère retrouve sa santé. Elle a attendu que le père retrouve ses forces. Et maintenant, elle allait maintenant passer le concours de CAFOP et puis maintenant, elle allait enseigner. Elle pouvait le faire depuis longtemps. Ce n'est pas parce qu'elle est sous-homme, ce n'est pas parce qu'elle est moindre que les gens qui sont à Abidjan. Ce n'est pas parce que les gens qui sont à Abidjan ont plus de valeur qu'elle. Parce que le ngrin là, escargot, c'est escargot. C'est le même escargot là. Il n'y a pas de différence. Que ce soit mince, gros, tout ça, chacun qui trouve son goût. Donc tu mets ça au marché, ça va avoir pris forcément. Même si c'est une fille mince, ça va au marché, ça aura pris. Même si c'est une fille grosse, tu mets ça au marché, ça aura pris. Même si c'est une fille svelte, tu mets au marché, ça aura pris. Si c'est une fille claire, tu mets au marché, ça aura son prix. Si c'est une fille noire, tu mets au marché, ça aura son prix. Si c'est une fille brune, tu mets au marché, ça aura son prix. La femme, elle a toujours son prix. Parce que Dieu a fait de sorte que, quel que soit l'homme, où qu'il soit, ce qu'il a, il a toujours besoin d'une femme auprès de lui. Et la diversité crée cette beauté. Ça veut dire que, pendant que toi, mon ami Freddy, tu aimes les grosses femmes, moi j'aime les femmes minces. Pendant que toi, mon ami Lasso, tu aimes les femmes sveltes, moi j'aime les femmes calipiges. Parce que les goûts sont diversifiés. C'est ça, la beauté du monde. C'est ce qui fait que moi je peux marier une grosse femme et puis être très heureux. Pendant que toi, les grosses femmes, ça te fait vomir. Et c'est ce qui fait que tu peux marier une femme très mince et moi ça me fait vomir. J'ai dit, mais il fait quoi là? Et pourtant, toi, ça te rend très heureux. C'est ça la vie. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu défends plus les femmes que les femmes elles-mêmes ne se défendent. En quoi tu défends les femmes? Pour défendre les femmes, la meilleure façon de défendre les femmes, c'est d'abord de leur accorder de la valeur.
leur donner de la valeur, leur montrer d'abord l'honnêteté, être honnête d'abord, se respecter. Parce que tu sais quoi? L'homme n'est rien si sa parole n'est rien. C'est ça l'honnêteté. Ce que tu penses, c'est ce que tu fais sortir. Si les gens te connaissent en tant qu'une fille qui est malhonnête, quelle que soit ta beauté, tu ne serviras plus à rien. Aucun homme ne peut te prendre dans un foyer. Si les gens te connaissent comme une femme hypocrite qui ne dit jamais ce qu'elle pense, tes amis ne vont même pas t'impliquer dans une tontine ou bien une réunion du quartier. Parce que tu ne dis jamais ce que tu penses. Donc d'abord, pour inculquer une valeur à une femme, d'abord, c'est d'apprendre à cette femme à être honnête. Même si c'est un pauvre qui t'a enceinté, donne-lui sa grossesse. Même si c'est un pauvre qui t'a enceinté, donne-lui sa grossesse. Et discute avec lui. Si tu penses que l'avenir de cet enfant est au Canada, discute avec le pauvre. Dis-lui que je t'aime sérieusement. Mais j'ai une opportunité. Il y a quelqu'un qui veut me prendre, moi et mon enfant, pour nous amener au Canada. Mais cet enfant-là, je n'oublierai jamais de lui dire que tu es son père. Mais regarde la situation dans laquelle tu vis. Et puis regarde-moi. Au Canada, l'enfant pourra mieux vivre. Si tu ne veux pas que l'enfant parte, je suis d'accord avec toi. C'est ton enfant. C'est notre enfant. Je ne peux pas décider seul de son sort. Parce que partout où un enfant est, il peut réussir. Mais je te dis que c'est une opportunité. Si tu veux, je pars. Mais je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais là, il y a une opportunité qui se présente à nous. Qu'est-ce qu'on fait? L'homme va réfléchir pour l'avenir de son enfant. S'il pense que le travail qu'il fait est clopin-clopant et que ça ne peut pas vraiment aider cet enfant, et que toi, tu lui as donné la certitude que tu diras toujours à cet enfant que son père est le pays, je crois qu'il va te laisser partir. Il te dira, ok, tu as ma bénédiction, prends-en soin et je compte sur toi. Et tu vas aller trouver le médecin, tu vas lui dire, cette grossesse n'est pas de toi. Mais je sais que si je te donne cet enfant, tu seras le meilleur père parce que tu as les moyens financiers pour faire de lui ce dont tous les enfants rêvent. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Je veux que tu sois le père de cet enfant, mais je veux que cet enfant n'oublie jamais qu'il a un géniteur, qu'il y a quelqu'un d'autre. Il faut qu'on lui révèle l'identité du géniteur. Mais tu seras le père de l'enfant. Tu seras celui qui va partager ses moments heureux et ses peines. Tu seras celui-là qui va veiller sur lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais il faut qu'il sache qu'il y a eu un père. Et tu discutes. Tu proposes. Je suis sûr que si le médecin t'aime vraiment par amour, il va accepter la proposition. Je suis sûr que si le taximètre est suffisamment responsable et qu'il tient à son enfant, je crois qu'il va accepter. Voilà comment on débat. Mais tu ne frappes pas l'ego des deux. Faisant croire au médecin que c'est son enfant. Et s'il fait un test d'ADN qui découvre que ce n'est pas son enfant. Et on ne fait pas croire au chauffeur que non, qu'il n'a pas, il n'a jamais eu d'enfant, alors qu'il a un enfant. Parce qu'il a le droit de savoir qu'il a un enfant. Il a le droit d'être heureux en tant que père. On ne fait pas ça. On discute. Et on met les faits devant les gens. Et on donne la possibilité aux gens de choisir. Voilà comment une femme se fait respecter. Et je suis sûr que les deux hommes, si la femme après sa décision, après leur décision, je suis sûr que les deux hommes vont continuer de respecter cette femme. Et ils ne vont pas la prendre pour une traînée. Mais toi, ce que toi tu proposes, ça montrera que sa femme est une traînée, est une manipulatrice. On va continuer. Réalité. Vous avez vu que le jour même de l'émission, je n'ai pas publié l'affiche de Peter. Je n'ai pas publié Peter, vous savez. Mais c'est de la comédie. Tu n'as pas publié l'affiche parce que tu savais ce qui allait advenir. Parce que tu savais comment tu allais te défendre après. Parce que tu avais déjà tout planifié. Tu n'as pas publié l'affiche, mais l'AFTV a publié l'affiche au nom de Caviar. C'est ta signature. Tu as signé un contrat avec l'AFTV. C'est ton émission. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut les. Même si quelqu'un d'autre vient. Là-bas, l'ITV là-bas, la télévision là-bas, on ne peut pas lui donner ton émission. On va lui donner une autre émission, pas ton émission. C'est ton émission, c'est ta signature. Quand l'ITV, comment dire, publie ça, c'est que c'est toi qui publie ça.
Même si tu n'as pas mis ça sur ta page Facebook, tu n'as pas mis ça sur ta page Facebook parce que, effectivement, c'est à cause de ça, là. Parce que tu voulais te défendre. Pour dire que, regardez, moi, je ne suis pas. J'ai fait chose, hein. Mais attends. Si tu n'étais pas d'accord, fallait le dire dès le départ. Dès qu'il vient s'asseoir, tu dis, cette émission, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne veux pas que tu parles de ton ex. Parle-nous, le truc, c'est les parfumeuses. Parle-nous de d'autres parfumeuses que tu as connues dans la vie. Je ne veux pas que tu parles de ton ex. Point. Il n'est pas obligé de parler de son ex. En tout cas, je ne veux pas que tu parles de ton ex que moi je connais là, que tout le monde connaît là. Parle-nous de d'autres choses, de d'autres expériences que tu as vécues. Le sujet, il est vague. On dit parfumeuse. On n'a pas dit Emma, Eka, parfumeuse. On a dit les parfumeuses dans les couples. Ça, c'est le sujet. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas elle qui l'a dévergé. Il pourrait parler de d'autres go. Pourquoi tu voulais absolument et tu voulais absolument qu'il révèle? C'est toi qui posais les questions. Tu voulais absolument qu'il révèle le nom de la fille. Tu as essayé. C'est lui qui n'a pas voulu. Soit tu as essayé, tu lui as demandé, bon, comment elle s'appelle? Bon, elle est ivoirienne. Bon, elle est ici. Tu as posé des questions pour nous donner tous les indices. Et pour nous donner tous les indices, pardon. Pour nous donner tous les indices pour qu'on sache de qui il s'agit. Et pourtant, on savait déjà de qui il s'agit. Mais tu voulais tellement être précise. Et là, tu viens jouer maintenant les innocentes. Non, hein? Moi, je défends la femme. Hein? T'entends de tout parce que les écalandes sont en train de te laver. Et tu dis que non. Moi, non, non, hein? C'est pas ce que vous passez. Et puis, vous allez publier mon enfant. Mais oui, vous êtes en guerre désormais. Pas, ils ont compris ton jeu. Les écalandes ne s'amusent pas. Non, non, non. Joe, moi, j'attaque tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, je connais la force de frappe de tout un chacun. Les écalandes. Il y a deux gens qu'il faut respecter sur les réseaux sociaux, les abeilles de Fleur des Lys et les écalandes. Si tu as affaire à eux, sauf moi qui leur tiens tête, sinon quelqu'un ne peut pas. Quand ils te prennent là, les abeilles là, quand ils te prennent là, vous, elles s'envolent avec toi. La écalande là, quand ils te prennent là, je ne sais pas quoi, ils vont taper dans ta main avec toi, Zigliti, ils vont danser avec toi, Go, Goli même, ils vont danser avec toi. Donc tu sais très bien, tu as tout planifié pour faire comme. Non, 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 tu ne défends personne. Au contraire, tout était préparé pour que tu humilies cette femme. Et puis ça s'est gâté dans votre main. Tout était préparé pour que tu humilies cette femme parce que tu savais très bien, après cette émission, ce qui allait arriver. Vous saviez tout ce que Peter allait t'arrêter. Mais il a fallu que d'abord que Peter soit arrêté, après l'émission, pas avant. Parce que vous vouliez quand même gagner votre argent d'abord. Ce que vous avez oublié, c'est que après ce coup, quand les Ivoiriens, quand tout le monde a vu clair dans le coup, ça a tué votre émission. Aujourd'hui, là, j'ai vu. Quand vous faites maintenant émission, vous faites 5 000. De 60 000, vous êtes tombé à 5 000 personnes en direct. J'ai vu la fois dernière, après plus de 30 minutes, vous étiez à 5 000 personnes en direct. Mais on va continuer. Pourquoi je publie l'affiche de tout le monde et lui je ne publie pas son affiche parce que je n'étais pas pour, je ne voulais pas de lui sur mon plateau. Je ne suis pas une personne à scandale. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de faire du scandale pour avoir des vues. Je n'ai jamais eu besoin d'insulter, de Attends, m'occuper de la vie. c'est français, tu comprends pas ou bien? Qu'est-ce que c'est que le scandale? Quand tu choques l'entendement public, quand tu choques les mœurs, quand tu dépraves la société, c'est ça le scandale. On dit sois maudit de toi de par qui le scandale vient. Nos mamans ne parlent pas de leur ñeren comme ça. Tu es là, c'est toi la grand-mère qui va parler des ñerens de nos mamans. C'est toi qui parles de où est placé le clitoris. Comment la femme doit baiser? Ça là, ça se fait non seulement dans un lit, et avant même ça se faisait non seulement dans le lit, dans une chambre fermée, il y a une porte. Et en plus de cela, ça se passait sous le drap. C'est-à-dire que malgré que c'est dans une chambre qui est fermée à clé, en plus de cela, il n'y a pas de lumière. Mais en plus de cela, ils vont se mettre encore sous un drap pour faire l'amour là-bas. C'est comme ça que papa, maman faisaient l'amour. C'est toi seul qui es venu maintenant. Ce que les gens cachent dans les chambres, ce que les gens cachent sous les draps là, c'est toi qui es venu dire que toi tu es expert dedans. De par toi est venu le scandale. Et tu dis que non, toi tu n'es pas une femme à scandale. À moi, attends, tu ne comprends pas français ou bien? Apparemment, tu ne comprends pas français. Parce que tu es le scandale. Toi-même, tu es le scandale. Tu vois, même quand tu passes dans les rues là, est-ce que tu vois les gens parler de leur libido?
Les gens te parlent de comment ils baisent. Si tu as vu une femme parler de comment elle baise, ou bien comment son mari la baise, c'est qu'elle est en train de parler à son ami intime. Je n'ai pas dit collègue. C'est qu'elle est en train de parler à son ami intime. C'est toi seul qui peux venir devant des inconnus pour raconter ta libido, comment toi tu baises, comment on te baise. Tu es la seule qui peut le faire. Parler à des inconnus, des gens que tu ne connais pas. Et puis tu te mets là, et puis tu leur dis que toi tu aimes les grosses queues. Et puis tu leur dis comment toi tu aimes quand tu baises. Si ce n'est pas maladie, c'est quoi? Si ce n'est pas maladie, ça là, comment on doit appeler ça? Et c'est toi qui viens là, et moi je n'aime pas le scandale. Mais attends, tu es folle ou bien? C'est bien, j'ai dit, comme vous dites que vous avez des milliards maintenant. Vous êtes tous des milliardaires, je suis le seul pauvre. Mais comme vous avez des milliardaires maintenant, allez-y prendre un peu de coups du soir, ce serait mieux. Ou bien tu ne sais pas ce que ça veut dire le mot scandale. Merde, allons-y. La vie des gens pour avoir des vues. Moi-même, j'aborde mes thèmes, je gratte dans les audiences. Moi, les audiences que je fais, il n'y a pas quelqu'un sur... Mais celle-là, elle est bête ou quoi? Tu n'abordes pas, tu sais ce qu'on appelle un thème? Un thème, c'est un thème choisi. C'est-à-dire que, par exemple, la parfloteuse dans un couple, ça c'est un thème. Mais quand tu colles ce thème à des réalités spécifiques, ce n'est plus un thème. Ça devient maintenant de l'accusation ou ça devient maintenant du gossip. Du gossip qui est le Congo-Sa, qui est le Papatoya en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Quand lorsque des femmes t'appellent, ce ne sont pas des thèmes, elles ne parlent pas de thèmes, elles parlent de leur vie privée. Et pendant que la femme dit que je suis avec un homme et je couche avec un homme, un autre homme, pendant ce temps, le monsieur est assis quelque part là-bas, il est couché. Il peut se tuer s'il apprend ça, que sa copine soit avec quelqu'un d'autre. La fille, celui qui dépense trop. Une fille, un jour, a dit carrément qu'elle est avec un homme, mais le monsieur ne bande pas. Alors que le monsieur lui donne tout et donc elle a envie d'aller voir ailleurs. Au fait, toi-même, tu n'animes aucune émission. Tu es là, les gens appellent et puis ils racontent leur vie. Sinon, tu ne fais rien, hein, maman vigile. Ma vigile. Tu ne fais rien, tu n'animes rien. Tu es là, tu te drogues, tu passes ton temps à boire ton champagne et puis tu attends que les gens appellent pour raconter leur vie. Et puis quand les gens te demandent maintenant, bon, qu'est-ce que je fais? Tu dis, moi, je ne sais pas quoi faire. Hein? Moi, je ne sais pas quoi te dire. Hein? Et puis, donc maintenant, lui, dis quoi maintenant? C'est, tu n'as rien à dire parce que tu n'as pas d'idée. Tu n'as aucun conseil à leur donner. Et pour les quelques rares fois, quand tu donnes conseil, c'est pour tout gâter. Les quelques rares fois, quand tu dis, je vais donner conseil, là, c'est pour tout gâter, pour tout miami en même temps. Donc, on a vu plusieurs fois. Hein. Quand elle te demande un conseil, tu dis, ah, moi, je ne sais pas quoi te dire. Hein. Donc, ben, lui, lui, il dit quoi? C'est que c'est eux qui font ton émission. Sinon, tu fais rien. Ce que tu fais, il n'y a pas magie dedans. Moi, je peux prendre le téléphone et puis je mets, et puis je dis, ok, les gens n'ont qu'à appeler pour raconter leur vie. Et puis, je n'ai rien à leur dire. Moi, mais intelligent que je suis, peut-être que j'ai donné des conseils justes, mais toi, non, tu ne donnes aucun conseil. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne fais que créer le scandale dans les couples. C'est ça, créer le scandale. Tu ne fais que créer le scandale dans les couples, dans les amis. Une fille qui dit que non, qu'elle couche avec l'ami, le mari de son ami, de son meilleur ami. Ça, c'est un scandale que tu crées. Ce n'est pas des choses qu'on a besoin de connaître publiquement parce que ça peut même aller jusqu'à se faire tuer. L'autre peut la tuer. Ça, c'est le scandale. C'est des graves scandales. Et toi, tu prends ça pour de l'amusement. Tu dis non, moi, je n'aime pas le scandale. Pourtant, tu es la reine du scandale. Mais allons-y. C'est sur la toile qui fait ça. Ben, moi, c'est au quotidien. Ce n'est pas une fois qu'il y a buzz. Et puis ça vient vous, non. Moi-même sans buzz, je fais ça au quotidien. Je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas besoin de scandale, je n'ai pas besoin de polémique. Je ne suis pas une personne à polémique. Je ne suis pas une personne à buzz. Je ne suis pas une personne à scandale. Je n'aime pas me mélanger. J'aime pas me mêler de la vie des gens. Parce que je n'ai pas envie d'être traité. Kelly, vous les caviar qui suivez cela, je vous prie de cotiser pour lui faire faire des cours. Elle dit qu'elle n'aime pas se mêler de la vie des gens. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? J'aime pas me mêler de la vie des gens. Est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire? Mais attends. Donc, quand les femmes-là te racontent la vie, qui se passe, ce qui se passe dans leur couple-là, et puis tu interviens dedans, là, tu ne te mêles pas de leur vie. Hein? Est-ce que tu leur dis, ah non, 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 ta vie privée, là, non, non, c'est pas de ça, moi, il veut ici. Non, non, non. Appelle, dis bonjour, dis que tu aimes mon émission, et puis c'est tout. Quand les gens viennent raconter comment ils trompent
comment elles trompent leur mari. Quand les gens viennent te dire comment leur mari, leur kiki est petit, ou bien leur copain, leur kiki est petit, combien de fois elles sont sorties avec deux hommes en même temps? Combien de fois, quand elles te racontent tout ça, là, tu leur dis que non, 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 moi, non, ça ne m'intéresse pas la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Votre vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais attends, tu es vraiment hypocrite. C'est pourquoi les gens t'appellent hypocrite. Parce qu'au fait, tu dis une chose et tu fais le contraire. Tu es la reine de l'hypocrisie, la reine du scandale, la reine de la dépravation, la reine des dévergondés. Et c'est toi qui dis que non, toi, tu ne fais pas ça. Et que toi, tu as des milliers de kilomètres de tout ce qu'on cite là. Bon, allons-y. Pas de porte. Voilà. Mais, on m'a dit la télé, c'est comme ça. Je n'ai pas publié, je n'ai pas partagé son affiche, mais je l'ai reçu. Ce jour-là, toute la journée, j'étais en colère. Toute la journée, j'étais en colère. Je dis, ils sont en train de me dénaturer. Ils sont en train de rendre mon concept autrement. Mon concept, c'est pour aborder des thèmes. Mon concept, c'est pour recevoir des appels. Bon, ok. Comme ton conseil, ton concept, c'est pour aborder des thèmes et que ce n'est pas pour t'intéresser à la vie des gens. Ce n'est pas pour qu'on dénigre la femme. Je vais te poser une question. Pourquoi tu n'as pas invité Eka pour qu'elle vienne se défendre? Lorsque ça s'est passé. Pourquoi tu n'as pas donné la parole à Eka pour qu'elle vienne dire sa part de vérité? Puisque quelqu'un l'a accusé, quelqu'un l'a humilié, quelqu'un a dit plein de choses sur elle, pourquoi tu ne lui as pas donné la parole pour qu'elle vienne au moins dire ce qu'elle pense de tout ça? Pourquoi? Ça fait un. Deux. Pourquoi autant de Eunice Union? Pourquoi quand elle t'a dit que non, elle ne veut pas parler de sa vie privée là? Pourquoi tu n'étais pas contente? Parce que tu sais très bien que si Eunice Dignon dénigre sur ton plateau son ex, qui est le Camerounais, là, comment il s'appelle là? Ténor. Si Eunice Dignon dénonce, c'est-à-dire que expose ou ridiculise ou malmène Ténor sur votre émission, Ténor va prendre caméra, il va mettre là-bas. Ou bien il va aller à la télévision camerounaise et lui aussi va s'exprimer. Et tu sais quoi? Quand il y a toujours parlable entre un homme et une femme, là, quand il y a discussion, c'est la femme qui reste dedans toujours. Parce que ça fait honte. Je te donne un cas. Vous avez forcément voulu que Peter vienne casser les papots sur votre chaîne. Mais quand il a finalement dit que quand lui, il est parti à 3h du matin chez elle et qu'à 3h du matin, son ex était couché dans le lit. Quel que soit ce que vous pouvez faire contre Peter, c'est humiliant pour la femme. C'est humiliant pour la femme déjà. Est-ce que maintenant, toi, la protectrice de la femme, tu as donné l'occasion à Eka de venir démentir cela? Parce qu'elle a droit à la parole. C'est ça aussi la défense. C'est ça aussi, il faut être juste. Lorsque tu donnes la parole à Peter pour venir la descendre, il faut donner la parole à Eka pour venir au moins amoindrir le mal, venir dire au moins sa part de vérité. Que non. Au moins, même si c'est mensonge, mais au moins, ça va laver son image. Non, écoutez, ce soir-là, quand il est venu là, mon ex venait d'arriver. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Mon ex venait d'arriver et j'étais en train de même lui dire de sortir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai ouvert la porte. Sinon, pourquoi ouvrir la porte? Parce qu'il est 3h du matin. Elle pouvait mentir au moins pour dire que non, le monsieur, l'ex venait d'arriver. Il est arrivé, elle a ouvert. Il dit qu'il était pour discuter. Ils étaient en train de discuter. Et c'est au même moment que Peter est arrivé. Et si elle sait qu'elle est avec quelqu'un, elle n'avait pas ouvert la porte, mais elle a ouvert la porte. Ce qui prouve qu'elle ne se reproche rien. Voilà. Elle avait des explications. Même ses mensonges, mais elle pouvait se défendre. Parce qu'il s'agit de son image tout de même. Elle vit de son image. N'oubliez pas. Quel que soit ce qu'elle est sur les réseaux sociaux, cette femme vit de son image. Et ce n'est pas normal. C'est anormal que quelqu'un se lève là pour détruire son image gratuitement parce que vous le voulez, parce que vous voulez faire la promotion de votre chaîne. C'est pas normal. C'est pas normal. Et vous ne lui donnez même pas la chance de se défendre. Vous ne lui donnez même pas la chance de se défendre.
Et tu viens dire derrière que tu l'aimes trop et que tu la protégeais et que tu es la plus grande féministe des réseaux sociaux et que tu es là pour défendre les femmes. À quel moment tu as défendu Eka? Ce que tu as fait, c'est de la comédie. Tout le monde a vu que c'était de la comédie. Parce que tu posais des questions à Peter qui pouvaient en même temps détruire la fille et en même temps tu fais comme si tu la défends. Tout le monde a vu clair dans le jeu. Parce que Peter répondait à des questions pour Peter n'est pas venu faire un narratif. Peter n'est pas venu, elle n'est pas venue sur votre plateau pour faire un narratif, c'est-à-dire qu'il vient s'asseoir, on dit, bon, Peter, quelle est ton histoire? Et puis il commence du début jusqu'à la fin, et puis finit son histoire. Non, il était sous la pression des questions. Il répondait à vos questions, et c'est selon vos questions qu'il donnait les réponses. Vous avez voulu détruire la fille, et vous avez réussi. Parce que vous saviez que vous alliez faire d'une pierre deux coups. Détruire la fille en même temps et détruire Peter. Pourquoi? Je ne sais pas. Allons-y. Ça, c'est pas pour s'occuper de ce qui s'est passé dans les fesses, dans les culottes de quelqu'un. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Regardez ce gros mensonge. Ça ne m'intéresse pas ce qui se passe dans la fesse, dans les culottes des gens. Et pourtant, depuis 2018, tu es là en train de dire comment, qu'est-ce qui se passe dans les culottes des gens? Sans oublier que toi-même, ton mari t'a surpris un jour en train de baiser le pied du lit. Et c'était un scandale chez vous là-bas. Le Togolais t'a surpris en train de baiser, en train de... parce que son kiki est tellement petit que tu t'es oublié de prendre le bout du lit pour mettre ça dans ton grain. Et tu invites toutes les femmes à venir raconter comment elles baisent. Et puis tu dis que toi, rien ne t'intéresse que... C'est-à-dire que ça ne t'intéresse pas de voir ce qui se passe dans la culotte des gens. Et pourtant... Toi, tu dis aux gens comment on baise. Mais, n'y là, ça y est où? N'y là qu'on doit baiser là. C'est pas dans la culotte, ça y est. Pine qui baise là. C'est pas dans la culotte, ça y est. Et puis, toi, tu dis que non, que toi, tu veux pas savoir ce qui se passe dans la culotte des gens. Attends, tu es normal? Est-ce que tu es normal? Ça va chez toi? Tu es sûr qu'on a su la même langue, donc où on parle pas même langage là. On parle pas le même français. C'est pourquoi je te dis, va un peu à l'école. Parce que, apparemment, tu utilises les mots tout en leur enlevant leur substance. Tu utilises les mots sans les comprendre. Allons-y. Moi, vous, là, sur la toile, vous me savez que ceux qui me suivent, pas les moutons qui ne me suivent pas, mais ceux qui me suivent depuis 2018, que j'ai ma page, ceux qui me suivent savent que je ne mêle pas de la vie des gens. Buzz, pas buzz, je ne parle pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que moi seul, mes thèmes, je cartonne. Moi seul, mon concept, je cartonne. Je vais faire quoi la vie des gens? Il y a commenté la vie des gens, pourquoi? Mais c'est la télé. Bon, attends, je vais te poser une question. Hein. Depuis 2018, qu'est-ce que tu as sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu penses que tu as créé? Tu sais, il y a une chose que les gens ne faisaient pas, par éducation. Soit par éducation religieuse, parce qu'il y a des gens qui sont musulmans, des bons musulmans. Je ne te parle pas des faux musulmans, des filles qui sont là, dépravées, prostituées, là, qui se jouent les musulmans. Des gens qui portent les trucs, sûrement, pour prier, pour faire les cinq prières, sans respecter Dieu, sans respecter le Coran. Des gens qui sont là seulement, on les voit, on sait qu'ils sont musulmans lorsque les fêtes de Tabaski ou de choses en Ramadan arrivent. C'est là qu'on voit. Non, non, je te parle des vrais musulmans qui ne parlent pas de sexe en public. Parce que les vrais musulmans sont très pieux. Et c'est les gens qui sont très pudiques, qui ne parlent pas de sexe en public. Les vrais chrétiens, je ne te parle pas de ces filles qui écartent les jambes au premier rang dans les églises en voulant exciter le pasteur sans porter slip. Je ne te parle pas de ces filles qui ne savent même pas le premier verset de la Bible, qui ne savent même pas même combien de pages il y a dans la Bible, mais qui te parlent de Dieu tous les jours, qui ne connaissent même pas plus de deux versets dans la Bible, mais qui vont te parler de Dieu tous les jours. Ce n'est pas de ces chrétiennes-là que je parle. Je te parle de ces vraies chrétiennes, des filles pieuses, des filles pudiques, qui respectent Dieu, qui respectent les valeurs qu'on leur a inculquées depuis qu'elles sont nées. Je te parle de ces femmes et de ces filles qui, depuis chez eux au village, ou depuis leur maison familiale, à qui on a inculqué des vraies valeurs, des familles, des vraies valeurs culturelles. Et ces valeurs sont faites du respect de l'intimité de la femme et de l'homme. Ce sont ces gens-là. C'est de ces gens que je te parle. Qu'est-ce que toi, tu crois que tu as créé sur les réseaux sociaux? Pardon, explique-moi. J'ai soif de savoir. Tu as brisé quelque chose que nous avions en commun tous, la pudicité. Nous avions tous,
Africains, tous les Africains, on a beau être ce qu'on est, tu vas dans les bars, même les filles dansent là-bas nues et tout, mais nous sommes tous de même pudiques. Parce qu'en Afrique, on n'a pas encore vu des gens qui créent des soirées de nudistes dans, sur les plages et autres. Non, ça veut dire qu'on est encore pudique. Il nous reste encore quelque chose quand même. Tu es venu détruire le peu qui nous restait. En parlant de clitoris, en parlant de cross speed, en parlant de comment on baise, comment la pine rentre, quelles sont les positions qu'il faut prendre, comment il faut bien se courber, tout ça. C'est toi qui es venu choquer nos mamans, tu es venu choquer nos grands sœurs, tu es venu choquer notre génération, tu es venu choquer nos petites sœurs, et j'en passe. Et tu dis que tu as créé quelque chose. Qu'est-ce que tu as créé? Donc tu as créé la magie du sexe. C'est grâce à toi qu'on a connu le sexe. Ou bien c'est grâce à toi qu'on a su que les clitoris, il y en a des gros, des petits. C'est grâce à toi qu'on a su que les clitoris, il y en avait des gros, des moyens et des petits. Et c'est grâce à toi qu'on a su que les bazookas, les pénis, qu'il y en avait, il y en avait de très gros, de moins gros, de petits et de plus petits. C'est grâce à toi qu'on a su ça. C'est grâce à toi qu'on a connu les lévrettes, les cunilingus, les kamasutras et j'en passe. C'est grâce à toi qu'on a connu tout ça. C'est grâce à toi qu'on a connu les trucs. C'est grâce à toi qu'on a connu. Qu'est-ce qu'on a connu grâce à toi? Je veux juste savoir. Qu'est-ce qu'on a connu réellement sur les réseaux sociaux grâce à toi? Parce que la seule chose, la seule fille à qui tu peux apprendre quelque chose, ou bien le seul garçon à qui tu peux apprendre quelque chose, c'est le puceau. La seule fille à qui tu peux apprendre quelque chose, c'est la vierge. Sinon, nous tous là, nous avons connu femmes et garçons. Donc, qu'est-ce que tu peux nous apprendre? C'est toi qui vas nous dire la différence entre les sexes ou bien la différence entre les vagins. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Ou bien c'est toi qui vas apprendre les femmes à savoir se raser ou bien les garçons à savoir se raser. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Je veux juste savoir, je suis curieux. Alors, quelle est la magie que tu as inventée sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas avant que tu as envoyé? C'est la pudeur qui a fait que ce que tu dis là, que personne n'a pensé même le faire parce que c'est choquant. Parce qu'on ne veut pas qu'on soit caricaturé comme des dévergondés, des impudiques. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Notre seule chose qui est habituelle chez nous, les Africains, c'est d'agner, ta mère con, c'est babier, les trucs comme ça. Ça est dans tous les ethnies, ça est dans toutes les langues. Et c'est ça seulement qu'on a en commun. Et ça, ce n'est plus considéré comme, ce n'est plus péjoratif désormais. Puisque la mère dit même à son propre enfant, chez nous en Afrique, la mère dit à son propre enfant, ta mère con. La mère, c'est elle la mère. Et elle dit à son enfant qu'elle-même elle a accouché, ta mère con. Tu comprends bien, non? Le père de l'enfant dit à son fils, tu crois que les oreilles de ton grand-père, pendant que le grand-père est assis là-bas. Parce qu'on s'amuse avec le grand-père. Donc, il y a des choses qui sont considérées comme choquantes chez nous et il y a des choses qui ne sont pas considérées comme choquantes. Ta mère, con, c'est plus choquant en Afrique. Bah bien, ce n'est pas choquant chez nous. Tu comprends, non? Insulte de grand-père, ce n'est pas choquant chez nous. Mais ce qui est choquant, c'est de décrire comment on fait l'amour. Ça, c'est choquant. Parce que c'est un tabou encore en Afrique. C'est de décrire la différence entre les vagins. La différence entre les pénis. Quelles sont les positions qu'il faut prendre? Surtout quand on sait que toi-même, tu n'as jamais gagné un seul concours sexuel. Il y a un problème. Voilà comment tu es devenu la star des réseaux sociaux. Dans le mauvais sens. Et comme il y a des gens en Côte d'Ivoire qui vivent avec le démon, qui mangent le vaudou, qui vivent du vaudou et qui ne savent pas quoi faire et qui sont en perte de popularité et qui ont vu une opportunité pour en faire de l'argent et pour se faire de la publicité, sur les réseaux sociaux, qui sont allés te prendre pour continuer ces mêmes conneries-là. Et ça t'a plu. Voilà la fille illettrée qui n'a même pas niveau CM1, qu'on prend, qu'on met à la télévision, et pour toi, c'est la réussite totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui-là, tu peux dire que même tu manges avec Macron. Voilà encore. Pour une fois que tu as rencontré la première dame, comme si le fait de rencontrer la première dame faisait de toi une personne exceptionnelle. Mais la première dame, normalement, son rôle, c'est de rencontrer tout le monde en Côte d'Ivoire, si elle a le temps. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. La première dame, c'est de montrer combien de fois, c'est que l'autre côté de son mari, là, c'est de montrer la gentillesse de son mari, parce que son mari n'a pas le temps pour ça. C'est elle qui doit aller dans les écoles. C'est elle qui doit aller dans les plantations. C'est elle qui doit aller dans les villages. Elle doit prendre photo avec les enfants délabrés, les enfants, choses, comment dire, genre, de la rue. Elle doit prendre photo avec tout le monde. C'est son rôle. Elle ne fait rien d'extraordinaire.
Donc, vous, quand vous prenez photo avec elle, pour vous, c'est extraordinaire. Bon, ok, quand tu as pris photo avec elle, là, qu'est-ce qui a changé de ta vie? Ça a changé quoi de ta vie? Ça veut dire que tu es la meilleure des Ivoiriennes désormais. Mais sinon, la liste est longue, hein. Les gens qui ont pris photo avec elle. Il y a des gens qu'elle-même, elle a appelé pour prendre photo. Johnny Pacheco a pris photo avec elle. Il y a des milliers de personnes qui ont pris photo avec elle. Ça a changé quoi? Marco Pengouin, le Judas national, lui-même, il a pris photo avec le mari. Il a pris photo même avec le mari. Ça a changé sa vie. Mais attends. Non, moi là, j'ai pris. Vous faites comme si pour que la première dame te reçoive ou pour prendre photo avec la première dame, il faut être quelqu'un d'exceptionnel. Il faut être peut-être avoir un background check déjà établi où on dit que toi là, tu n'as jamais commis de crime, tu n'as jamais menti, tu es tellement juste dont la première dame peut te recevoir. Même les bandits, elle les reçoit. Même les prostituées, elle les reçoit. Parce que c'est son rôle d'avoir le dos large, d'avoir le cœur ouvert. Son mari, par contre, c'est différent parce que c'est le président de la République. Il n'y en a pas deux. Première dame, là, on peut la changer en plein mandat. On ne peut pas changer le président en plein mandat. Le président peut décider d'être célibataire en plein mandat et le pays continue. Ça ne va rien changer dans le pays. Donc, elle peut prendre photo avec tout le monde. Elle risque rien. Par contre, le président ne peut pas prendre photo avec tout le monde parce qu'il y a un seul président et on n'a pas envie de le perdre en plein mandat. Tu comprends ça? Non, j'ai pris photo avec la première dame. Non, j'ai fait ceci. Mais vous êtes. Attends. C'est pourquoi l'école est bonne là. Parce que si vous étiez allé à l'école, vous allez savoir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire de prendre photo avec Dominique Ouattara. C'est ce qu'elle doit faire, c'est son travail. Elle doit se lever, elle doit aller dans les orphelinats, prendre photo avec les enfants qui ont mort et tout ça là. Elle doit les essuyer, elle doit. Voilà. Ce côté-là, elle doit travailler ça pour qu'on sache que son mari est humain. C'est son travail. C'est-à-dire qu'elle doit être l'image publique de son mari. C'est son rôle. Sinon, elle n'a pas de travail. Hein. Son travail, c'est d'être première dame, être l'image publique de son mari. C'est tout. C'est ça la première dame. Sur la première dame, là, elle ne fait rien dans le pays, là. Mais on la paye. Pourtant, elle ne fait rien. Elle n'a pas un poste, elle ne fait rien, elle n'est pas ministre, elle n'est rien. Elle est juste la première dame. Son travail, c'est d'être le côté public de son mari, le côté gentil de son mari, le côté social de son mari. C'est pourquoi tu as vu certaines premières dames, d'autres ont créé une daya, comme au temps du fouet, la femme du fouet Boigny a créé une daya pour rendre service aux gens, pour montrer le côté gentil, le côté public de son mari. Comme tu as vu, association servie de Bédier, de Madame Bédier, tout ça, c'était pour rendre service. Comme Madame Gbagbo, elle n'a pas créé ce genre de choses parce qu'elle était une femme politique engagée. Donc, elle, voilà. Donc, elle jouait, elle continuait de jouer son rôle de politicienne. Voilà. Et maintenant, à ces choses, comment dis-je? Madame Dominique, elle a son association Children of Africa. Elle a son association. Donc, elle rencontre les enfants, elle va partout, elle se bat. Donc elle a créé son entreprise et tout, donc elle se bat. Elle montre le côté gentil de son mari. Et c'est son rôle, ça. C'est ça le rôle des premières dames. Donc pour toi, c'est comme si tu avais eu un trophée, quoi. Comme si on avait fait une sélection pour qu'elle te reçoive. Tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait. Si tout de suite là, quelqu'un veut la voir et qu'elle a le temps, elle va dire oui, faites-le rentrer, je vais le voir. On prend photo ensemble. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vas aller la voir, comme elle veut être gentille, montrer que son mari est gentil. Elle va te donner une enveloppe pour ton transport. Ça peut être peut-être 2 millions, peut-être 1 million. Si tu as un peu plus de chance, ça peut être 5 millions. Et puis c'est fini. Toi, tu vas voir ça en beaucoup d'argent alors que ça va être distribué ça. Parce qu'elle a un budget pour ça. Tu vas croire que c'est parce qu'elle t'aime trop qu'elle t'a donné cet argent. Pourtant, c'est faux. Elle a un budget pour ça. Tous ceux qui lui rendent visite, elle doit payer leur transport. C'est comme ça y est. Si tu as rendu service et si tu as rendu visite à la première dame, elle doit payer ton transport. Ça va de 1 million à plus. Ça dépend de son humeur du jour. On ne faut pas croire que tu es spécial. On continue. De faire ce qu'on me demande. Et même quand j'ai reçu ce monsieur, quand j'ai reçu ce monsieur, c'est parce que malheureusement, nous les négros, on est méchants, on est mauvais, on est sorciers. Sinon, quand j'ai reçu ce monsieur sur mon plateau, les gens ont vu comment j'ai défendu la femme. Je n'ai pas défendu une femme parce que je veux Non, 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 défendre. tu es hypocrite. Tu n'as pas défendu la femme. Tu n'as pas défendu la femme. Tu n'as pas défendu Eka. Parce qu'à aucun moment, tu n'as pris parti directement pour Eka. Tu empêchais peut-être Peter. Tu voulais ridiculiser Peter pour montrer aux gens.
que tu n'étais pas trop avec lui. Mais comme je te le dis là, depuis le départ, c'est biaisé. Tu n'étais pas obligé de poser les questions que tu as posées là, Peter. Ça là, tu n'es pas obligé de le faire. Et alors que ce sont les questions que tu as posées à Peter là, qui ont fait ressortir tout ce que Peter a dit. Donc en réalité, les journalistes, les animateurs, attends, ces questions que tu poses, tu envoies la réponse. Si Peter a dit quelque chose là-bas, c'est parce que tu voulais que ça sorte. Sinon, tu pouvais venir, Peter pouvait s'asseoir, et Peter a dit ça va, on dit quoi? Parmi tes ex, ça, mais attends, tu parles de celle-là seulement. Pourquoi tu parles pas des autres ex et puis c'est de celle-là seulement que tu parles? C'est la seule go que tu as eue. Tu aurais pu lui demander ça. Non, 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 mais laisse celle-là, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ça là. Parlons d'autre chose. Je te parle de général. Est-ce que c'est avec elle, c'est la seule expérience que tu as eue de ta vie? Tu allais rediriger la question. Et il allait être obligé de le faire. Il allait être obligé de parler de ses autres ex. Mais tu as voulu absolument qu'il parle de celle-là. C'est pourquoi il a parlé de celle-là jusqu'à la fin. C'est d'elle que tu voulais parler. Mais là, tu viens là parce que c'est rentré, parce que tout le monde a commencé à fuir votre chaîne, parce que vous faites maintenant 5 000 personnes en une heure. Alors maintenant, tu viens jouer. Non, sinon depuis là, depuis que l'affaire s'est passée là, pourquoi tu attends jusqu'à. Depuis, ça fait quoi? Ça dit après des mois. Ça fait maintenant près d'un mois. C'est maintenant que tu viens faire une vidéo. Parce que ça chauffe sur vous. Parce que les gens commencent à vous boycotter. Parce que la Ekalan ne vous loue pas, ils ont commencé à vous boycotter. Parce que vous êtes descendu comme. Mais ne pense pas que c'est à cause de Eka seulement. Il y a deux raisons. Vous voyez, les Africains, ils ont beau être ce qu'ils sont. Ils ont beau détester Peter. Ils ont beau détester Eka, mais ils n'aiment pas les traites. Ce que toi et Live TV, vous avez fait pour mettre Peter en prison, là. Personne n'a aimé ça. Et en plus, quand on a mis Peter en prison, votre mutisme, là. Personne n'a aimé ça. Vous n'avez fait aucun effort pour essayer de libérer Peter. Ça prouve clairement que tout était déjà réuni, que vous avez fait venir Peter pour qu'on le mette en prison et que finalement vous avez imposé une seule condition, attendant qu'on finisse l'émission avec lui et puis avant de le prendre. Parce que bizarrement, Peter est rentré en Côte d'Ivoire, tout le monde savait que Peter était là. Il n'y avait pas mandat d'arrêt contre lui. Il allait à la télévision, il a fait l'émission le même soir. Personne n'est venu à l'arrêter. L'émission est en direct, elle n'est pas en différé. Donc, ça veut dire que les gens, même, l'émission a duré plus d'une heure. On pouvait même aller l'arrêter, sans sinon à l'émission là-bas. On n'est pas allé l'arrêter. On a laissé Peter aller à la maison. C'est le lendemain à 18h, c'est-à-dire que le troisième jour sur le territoire abidjanais, qu'ils sont allés l'arrêter. Ça veut dire que vous vouliez finir d'abord avec lui, avant qu'on ne l'arrête. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, les Ivoiriens, même quand ils n'aiment pas Peter, ça, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter cette trahison. C'est que vous devenez maintenant une chaîne à scandale. Vous devenez maintenant une chaîne de traite. Vous devenez une chaîne d'espionnage. Et les gens ne peuvent pas vous donner votre caution. Et ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Tout le monde a compris que vous êtes une chaîne espionne. Tout le monde a compris. Mais en plus, tout le monde a compris que vous êtes là pour détruire les gens. Parce que ça n'avait pas de sens, quoi. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi forcément venir dénigrer la fille? Ça n'avait pas de sens, quoi. Il y a tellement de sujets dont vous pouvez parler. Pourquoi vous avez voulu forcément parler de cette fille? Ce qui maintenant vous a tué complètement, c'est quand vous avez invité Eunice Zounion et vous aviez voulu encore qu'elle parle de sa vie privée. Et puis elle vous a mis au carreau, là. Là, maintenant, les gens sont convaincus que voilà, ça, c'est votre travail. Voilà ce qui vous a révélé au monde. Finalement, comme des traîtres, comme des espions. Et vous êtes des espions. Surtout quand on sait que Fabrice Sawagnan travaille pour Madame Dominique Ouattara. Et donc, il est membre du RHDP. D'ailleurs, même, il sera candidat au plateau. On verra bien s'il va gagner les élections parce que nous tous, on va faire vidéo contre lui. Donc, lui sera candidat au plateau. Il a perdu la fois dernière, il a perdu les élections au plateau. Il veut être encore candidat encore une fois. Voilà. Donc tout ça a fait que son acquaintance avec le gouvernement en place et ce qui est arrivé à Peter et le fait que même Eka ait dit Move Boy. Donc à cause de Move Boy, vous savez que vous n'avez rien contre Eka pour la mettre en prison. Vous avez voulu l'humilier à cause de Move Boy. Donc vous avez appelé Peter pour humilier Eka parce qu'elle a dit Move Boy. Et maintenant. C'est-à-dire que vous avez fait d'une pierre deux coups, humilier Eka à cause de Move Boy et mettre Peter en prison parce que lui aussi, vous avez des choses contre lui.
Et tout le monde a compris le jeu. Et maintenant, tu te débats parce que votre chaîne est morte, parce que personne ne vous suit désormais, parce que tout le monde a compris qui vous êtes. Alors, tu es en train de te débattre. Non, moi, ici, défenseur de la femme. Tu défends la femme depuis quand? Depuis quand, toi, tu défends la femme? Tu es la femme qui humilie les femmes le plus sur les réseaux sociaux. Tu es la plus dévergondée des femmes. Tu es la dépravation des mœurs incarnée. Depuis quand, toi, tu donnes de la valeur aux femmes? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je n'ai pas connu, il y a tellement à dire, mais il y a longtemps, je suis là quand même. Voilà. Ça fait déjà 59 minutes. Voilà. Bientôt, dans 30 secondes, ça va faire une heure que je suis là. Donc, je vais vous laisser. Je n'aime pas les vidéos trop longues. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vous laisse. Ciao.